Où est l'urgence? Qu'est-ce qui presse? Qui fait pression? Qui pousse? C'est le trib du drive qui est la poussée du germe, du bourgeon, l'enlèvement, l'élan, l'envoi, la lancée, l'impulsion, le créo de la création qui ne décroît pas, pas le désert, non plus la croissance mathématique linéaire exponentielle, non, logarithmique non plus, ni algorithmique, mais l'essor, la crue, l'éveil, l'envol, l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens, l'urgence de sentir et d'être ressenti, mais sans ressentiment. Voilà qui urge, qui pousse, qui pulse. Hello, everyone. Good morning. You rocked the confinement. Cela nous aura frappés par la force d'une méga blessure narcissique. Qu'est-ce qu'on en a appris à part les choses un peu inavouables sur nous-mêmes, nos faiblesses, nos découvertes inattendues? Je raccourcis maintenant. À part les dégâts et le nouveau menu de peur qui se sont manifestés, qu'est-ce qu'on a découvert au juste? Car le virus agit comme un guerrier d'une autre justice, bon, avec beaucoup zones problématiques. Et on a aussi appris à quel point on a tendance à surestimer la science, mais ça, on laisse de côté pour une autre fois. Mais ce qu'on a compris, c'est que, et c'est pour ça que j'ai commencé en disant que c'est une blessure narcissique, parce que on a compris à quel point la Terre peut se priver de nous et que nous sommes parfois que des habitants ingrats et disgracieux sur cette terre. Donc, je suppose que de toute urgence, on voudrait analyser à quel point nous sommes organisés autour du carnophalogocentrisme dont Derrida parlait, et à quel point nous sommes appelés à repenser nos rapports aux animaux. Il n'y a plus d'excuses de les tourmenter, de les manger. Écoutez, mes amis, il faut manger des algues. C'est pas marrant. Il faut vraiment, à mon avis, il n'y a plus de prétexte pour massacrer les animaux, c'est eux qui le disent, c'est pas moi. Et il faudrait davantage faire des études, des analyses qui existent abondamment déjà sur l'incorporation, l'introjection,
surtout ce qu'on a envie de s'approprier. Mais il faut manger des algues désormais. Je vous embrasse. Où est l'urgence? Quelle est sa localité, son lieu? Qu'est-ce qui nous pousse d'ailleurs à nous en extraire ou y succomber? Peut-être est-ce comme pour une pente qui entraîne immanquablement la bille à rouler vers un lieu où cesserait toute gravité, le lieu d'inertie qui ressemblerait peut-être à un bassin attracteur. L'urgence, en tout cas, nous localise, exige que nous nous localisions, ce qui me ferait penser un peu à une bouteille à la mer. On pourrait jeter une bouteille à la mer. L'urgence de quitter le lieu, de s'arracher à l'île, mais qui pourrait bien la ramasser et surtout comment localiser son origine? Robinson, dans l'urgence, sait-il seulement où on pourrait venir le chercher, sans adresse, adresse absente? C'est un peu le principe de la carte postale chez Derrida. La seule urgence, c'est quand il n'y a pas de destinataire, pas de lieu d'expédition et puis pas vraiment de lieu d'arrivée. L'urgence d'être perdu. Deleuze reprend également une drôle d'histoire dans son cours, qui est aussi comparable dans la mesure où il s'agit toujours d'un délai. Il parle un moment de l'urgence dans un récit d'Ostoïevski. Quelqu'un doit se rendre au chevet de sa femme qui meurt, mais il y a toujours plus urgent à faire. Et puis finalement, de bistrot en bistrot, il doit se dépêcher, mais c'est bien sûr trop tard. Dans l'urgence, c'est toujours trop tard. Je pense que même on pourrait dire l'urgence, c'est le retard. Une espèce de retard originaire, même en partant trop tôt. Et là, finalement, plus dans le temps que dans l'espace, ou dans l'espacement du temps, voire entre les deux, dans une espèce de différence avec un A, comme dirait Derrida. Je suis en retard. Le temps presse, mais c'est en vain pour donner à l'urgence une imminence qui rime peut-être avec la faim. La faim, toujours perdue. Et puis, devant la mort, c'est aussi toujours déjà trop tôt. Et c'est jamais le bon moment. L'urgence s'annonçant toujours comme étant hors du juste milieu, passant à côté de son kairos. Où est l'urgence? Dans la respiration. Notre monde, si étouffé par le monde lui-même, crie partout, respire, respire douleur, respire monde, et encore, respire air. La respiration est d'urgence, non seulement au sens qu'il faut trouver des nouveaux souffles pour la vie du monde, de chacun, du commun, du corps, de la nature, de l'esprit. Mais respirer est urgent aussi, au sens que la respiration, c'est la vie nous apprenant à vivre d'une autre manière. Car lorsqu'on respire, notre dedans est dehors et le dehors dedans. Notre voix s'entend intérieure et extérieure à la fois. Le chacun est déjà un autre et des autres. Et on découvre comment la vie est simplement finie, mortelle, comme un souffle. Respirer, c'est la vie nous apprenant un autre sens d'échange et d'inspiration, et surtout que la vie s'est faite peu à peu. Pas seulement au Brésil, la dispute politique est sur qui payera la dette de la mort par famine ou par le virus. L'inégalité grandit, l'injustice est sévère. Respire douleur, respire air, respire monde. Respire, respiration. Il faut apprendre à vivre comme on respire et pas seulement à respirer pour vivre. Où est l'urgence? Qu'importe le lieu et qu'importe le moment, qu'importe ce qui la distingue et qu'importe ce qui permet de l'identifier très précisément pour ce qu'elle est. Elle toujours précède. Elle, c'est l'urgence. L'urgence qu'est la vie. L'urgence du vivre. Et elle nous aura toujours pris de court.
pris de vitesse, s'éloignant toujours en plus loin, de plus en plus loin, vous narguant, vous mettant au défi de la rattraper. Sans doute parce qu'elle vous en sait incapable, bien que vous ne rêviez que de cela, de la rattraper, de vous mesurer à elle, de la vaincre. Et elle vous sait d'autant plus incapable de cela que, n'ignorant pas que c'est de cela le seul choix qui s'impose à vous. C'est ce seul choix qui s'impose à vous, celui de devoir toujours essayer de l'affronter. Et par conséquent, elle vous presse de partout, vous contraint, vous confine, en tant que l'on croit pouvoir dire normal, aussi bien qu'en temps d'épidémie. De sorte qu'en la voyant tout au loin, presque sur le point de disparaître, vous la sentez également derrière vous. Vous l'avez sur le dos, qui vous bouscule, qui vous oblige d'aller toujours plus vite, cependant qu'elle, de vous, bien plus vite encore, s'éloigne. Vous défiant amicalement d'eux et vous conviant généreusement à compter de toute urgence, même si vous n'êtes pas dans l'urgence, avec elle. De compter avec elle, avec l'urgence, notamment en philosophant, inlassablement, indéfiniment. L'urgence est de repenser philosophiquement le rapport entre la pandémie et la production, pour parler philosophie sociale. Pour cela, il nous faudra partir de trois postulats. Premièrement, la production est soumise au principe de temporalité. Deuxièmement, cette temporalité fut accélérée dans le régime qu'on appelle le régime capitaliste. Et troisièmement, cette accélération se ralentit en temps d'épidémie, voyant en effet apparaître de nouvelles formes de production, arrêt du travail, chômage partiel, le télétravail, etc. Comment repenser alors notre rapport à la production en temps d'épidémie, au vu du changement de paradigme temporel qui affecte sans détour le travail, tel qu'on a pu le concevoir jusque-là? La production, la distribution, l'échange, la consommation, pour emprunter les termes de Marx dans son introduction à la critique de l'économie ou politique, sont quatre catégories qui définissent l'activité. Elles sont corrélativement associées, autant qu'il faut aux travailleurs pour les réaliser, pour les amener au réel. Revenons une minute en arrière. La tradition religieuse considérait déjà le rapport entre activité et temporalité comme un rapport sacré. Labourer, semer, moissonner, allumer ou éteindre, construire ou déconstruire, le judaïsme distinguait déjà 39 activités interdites le jour du Shabbat. La metavot melacha, ces activités, nommées ainsi travaux, se devaient d'être suspendues une fois par semaine sous peine de voir la sainteté du jour de repos profanée. Il y a un temps pour produire et un temps pour mettre la production en suspens. Le travail se définit par le temps qu'on y consacre et par là même, mettant ainsi au pas la production, c'est sa temporalité d'effectuation qui se trouve consacrée. Le travail nécessite un temps de réalisation, son arrêt également, le passage de l'un à l'autre sera ainsi réglé très strictement jusqu'à la sacralisation. Et ce rapport entre le travail, le temps qu'il faut pour le réaliser, se trouve absolument chamboulé en temps d'épidémie. Car si la production possède ainsi sa propre temporalité, force est de constater que si cette dernière fut accélérée par l'apparition du capitalisme, elle fut ralentie par l'apparition de l'épidémie.